Chancelier vénézuélien a montré contentement pour tête l'idée au constaté depuis tremblement de terre 12 janvier, il y a un pile travail qui fait Haïti levé campé. Il fait connait présence délégation à Port-au-Prince, c'est pour confirmer relations amitiales entre deux pays et puis renouveler engagement pour Venezuela continuer à accompagner Haïti, un pays qui t'a porté gros contribution dans bataille pour indépendance Venezuela. Ministre Rafael Ramirez. Avant toute bagarre, nous avons dit que effectivement nous sentons la caille. Je veux remercier profondément l'amistad et le traitement des amis et hermanos que se nous brindent chaque fois que nous visitons la tierra de Dieu. Et moi, je remercie en plus le traitement de frères que nous toujours recevons ici depuis la visite perpétuelle. Quiero transmitir un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien ha estado bueno, insistiendo permanentemente en reforzar y profundizar la relación con nuestro hermano Haití. Moi, je voulais transmettre à l'amitié président Nicolas Maduro, qui toujours a insisté pour nous renforcer l'amitié que nous avons avec le pays de Haïti. Igualmente, quisiera mencionar, y no podemos dejar de hacerlo, el legado de nuestro comandante eterno, el presidente Hugo Chávez, quien tuvo especial cercanía, simpatía y tenía su corazón puesto en Haití. Nous pas qu'à oublier tout héritage que nous gagnons de commandant Chavez qui était en relation très proche et avec le pays frère d'Haïti. En lo personnel, et pour parler pour mon équipe de travail, nous sentons une grande satisfaction de venir à Haïti nuevamente, luego de los terribles sucesos del terremoto y ver cómo Haïti avanza, la reconstrucción avanza y se ve un pueblo mobilizado y en las calles luchando por su futuro. Mais même personnellement, avec toute l'équipe de travail moi, qui là ensemble avec nous, nous comptons en pile constater que et après le tremblement de terre, que Haïti levé campé, il y a un pile de travail qui fait une mobilisation qui gagne de pays frères qui est Haïti. Nous devons dire que la conduction du gouvernement du président Martelly, le ministre Lamotte, a dado un impulso extraordinario a todos los asuntos que están pendientes de resolver y que se está trabajando muy duro en subsanar los problemas que han enfrentado el pueblo haitiano. Y nos constatamos efectivamente que el lanza al gobierno Martelly la muerte en bail por el trabajo très dur pour le cas atteint objectif pour pouvoir résoudre problèmes qui viennent dans le pays Haïti. Nosotros venimos le ministre a ratificar notre amistad con el pueblo haïtien. En premier lieu, Premier ministre, nous là pour nous confirmer les relations d'amitié que nous avons avec le pays qui est Haïti. Notre plus firme appui et compromis avec le gouvernement du président Martelly et son gouvernement. Nous réaffirmons l'engagement avec le gouvernement Martelly et toute l'équipe gouvernement. Et notre plus profond compromis. Con el futuro y el destino del pueblo haitiano. Engagement, nous d'accord, nous voulons signer un accord pour nous accompagner le pays Haïti en futur et très bientôt. Nosotros tenemos mucho que agradecer a Haïti. Nous avons pile bagaille pour nous remercier Haïti. Nous tenemos que agradecer que Haïti, l'impédion et l'exemple de la révolution haïtienne fue cobijo et luz para nuestra guerra de independencia y nuestro libertador Simón Bolívar. Nous remercions en pile Haïti, appui que vous avez à travers le gouvernement Pétion dans le combat pour libération Venezuela avec le commandant Simón Bolívar. Chef diplomatie vénézuélienne, ambassadeur Pedro Antonio Canino González est accompagné, gagné dans la délégation plusieurs autres officiels, tant que secrétaire général Alba, et puis président Petro Caribea Bernardo Alvarez, et puis conseiller spécial président Nicolás Maduro, ambassadeur Raúl Lica aussi.